Oui. C'est moi, Madame Perrichon. Je viens m'enquérir de votre santé. Ne bougez pas. Je vous ai fait préparer des cataplasmes. Il n'y a pas mieux pour se remettre d'aplomb. Je vais également vous oindre. Me quoi? Évidemment, vous avez une peau de roux. Oh, je me demandais aussi pourquoi mon plaisir. Une peau de... Non, rien. Ah oui, non. Ah, des deltoïdes, hein. Un grand pectoral, superbe. Hein? Pratiquez le musculisme. Non, vraiment, je... Vous canotez, alors. Écoutez, Madame Perrichon... Appelez-moi Caroline. Alors, Caroline, c'est très gênant, je ne peux... Je ne suis pas de votre goût. Non, bien au contraire. On en sent bien, vous, la femme d'expérience, et alors toujours fraîche. Même flatteur. Eh bien, profitez-en. Je ne peux pas, je ne peux. Enfin, votre mari... Mon mari a déjà hier. J'ai demandé à Monsieur Perrichon la main de votre fille Henriette. Alors, dans quelle situation embarrassante nous trouverions-nous si j'allais succomber à vos affriolants appâts? Bon, bientôt, nous pourrions être de la même famille. Mmh. Ah oui, mais c'est donc pour ça, à cause de ma fille, que vous vous refusez à moi. Voilà, en quelque sorte. Oui, non, mais ça se défend. Si jamais elle se refuse à vous... Du coup, peut-être. Bah, nous en reparlerons alors à ce moment-là.